Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, réservé aux membres premium. Vous allez voir un super tour de petits paquets. Moi qui suis friand des tours de petits paquets, voilà, je vous en présente un ici aujourd'hui, qui est vraiment très très bien à réaliser. Comme d'hab, pour avoir accès à la vidéo explicative, eh bien, il faut être membre premium, donc ça me permet à moi de me soutenir. Et en même temps, vous avez accès à énormément de tours de magie expliqués, réservés uniquement aux membres. Des tours plus élaborés, tout se fait directement sur YouTube, avec le bouton souscription. Ça vous permet d'avoir accès immédiatement à de nombreux tours expliqués, des emojis exclusif, le badge à côté du pseudo, des codes promo exclusifs et la possibilité de participer tous les 15 du mois à un concours réservé aux membres. Et surtout de me soutenir personnellement et ça je vous en remercie énormément. Bref, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. N'oubliez pas l'école de magie, les réseaux sociaux. Bref, comme d'habitude, si vous avez des questions, privilégiez les réseaux sociaux, c'est plus pratique pour pouvoir communiquer. Bref, sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et en parallèle de ce tour, vous allez voir, il y aura un petit test d'attention. On va voir si vous allez voir la chose. Regardez bien, très simple, avec quelques cartes, 4 cartes, 4 rois, qui au préalable, j'ai retourné face en l'air. L'un d'entre eux, c'est ici le roi de carreau. Et je vais le laisser face en l'air. Regardez bien, si on fait un petit geste, le roi de carreau revient face en bas et à la place, cette fois, c'est le roi de trèfle qui reste face en l'air. Le roi de trèfle laissé dans le milieu, le même geste, et cette fois, le roi de trèfle repasse face en bas et c'est le roi de pique qui cette fois est face en l'air. Pour terminer, le dernier, on claque des doigts de la même façon et cette fois c'est le roi de cœur qui lui reste face en l'air. Alors bien entendu, vous avez vu tous les rois et c'est maintenant que je vais vous poser la question, le test d'attention on va dire. Est-ce que vous vous souvenez de la couleur des dos? J'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais est-ce que vous avez une idée? Alors beaucoup vont dire rouge avec le tapis, etc. Rouge. En réalité, non, ils sont bleus. Alors vraiment, hein, tous bleus, un par un. Et oui, c'est incroyable, pourtant tout le monde était persuadé d'avoir vu des rois rouges, parce qu'il y avait le tapis rouge, mais ils étaient bleus. Enfin, ça c'est à vous de voir, hein. Si vous préférez une autre couleur, vous me dites, hein, parce que je peux vous sortir du jaune si vous préférez. Ça change un peu, on le voit rarement. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour de petits paquets. En tout cas, moi j'adore, hein, vous le savez, les tours de petits paquets, je trouve ça super pratique à réaliser et ça plaît en général aux spectateurs. Donc comme d'hab, si vous voulez apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description si vous êtes membre premium évidemment. Bref, cette vidéo prend fin, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.